Hey yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue pour la 9ème partie de Resident Evil 7. Et écoutez, on a eu pas mal de révélations dans la partie 8. Et c'est plutôt cool, on va voir ce qui se passe dans la partie 9. Donc on s'était juste arrêté ici, on avait visionné une cassette du passé de Mia. On a vu pas mal de révélations, donc c'était Evelyn donc, qui était à la base le virus du jeu. Bref, let's go les crocs, c'est parti. Donc on incarne toujours Mia. Un ascenseur, 3F. On y va. Vas-y Mia. C'est bien Mia. Ok, faut monter cette échelle. On est toujours dans ce foutu bateau avec Mia. Allez. Yes. Bien joué Mia. On va descendre ici. Voilà. Un petit écran, tiens. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça marche encore. Peut-être que ça marche encore. D'accord. Donc on a des caméras donc du bateau. Très bien. Oh, Ethan! Ethan, t'es en vie! J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'arrive, mon amour! Ok. Niveau inférieur. Niveau inférieur. On y va. On y va. Ah! Ah, arrête ça, Evelyn! J'ai failli chier dans mon fut, les crocs. Je vous jure, j'ai failli chier sur moi, là. Putain de merde! Evie! Alors, est-ce qu'on peut activer un truc? Donc là, on est dans le... Je sais pas comment on appelle ça, la cabine de pilotage, je sais pas. Pff, je me crois dans un avion, tu sais, la cabine de pilotage. Poudre à canon, bah c'est sympa ça, on va pouvoir se faire des balles. Hop, voilà, 10 balles. Bon, je vois qu'il y a une porte par ici. On va essayer d'y aller. Cabine du capitaine. Hey, mon capitaine! Ah merde, il nous faut une clé. Ah, on n'a pas de clé, les crocs. Par contre, on a ça, une clé en croix. Oh oh! Et un plan, le plan du navire. C'est bon ça, une bombe. Oh, à tous les coups, il faut péter ça avec une bombe. Oh, ça, je le sens très bien, ça. Attends. Alors, si je prends la bombe, posée au sol. Oh, oui. Attention, vous êtes prêts, les crocs? Bon. C'était donc pas ça. Putain, je suis deck parce que j'ai niqué une bombe. J'étais sûr à 1000% que ça allait marcher. Je sais pas quoi dire, là. Je suis un peu dégoûté, là. Putain, pourtant, c'est des bonbonnes de gaz, ça. Donc, logiquement, si je mets une bombe, ça explose. Bordel! Ok! On se casse. Ah, putain. Oh, il y a une trappe. Ah, et peut-être qu'avec la clé... Oh. Ok, on s'est débloqué. Enfin, je me suis débloqué. J'avais pas vu la trappe sur l'ascenseur, en fait. C'est bon. Tout va bien. Wow! Monter ou descendre? On va peut-être pas descendre. On va peut-être monter. On va pas descendre tout de suite. Alors. Et du coup, je suis deck parce que j'ai niqué mes deux bombes. Ici. Hello! Ah! Oh! 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 Non, c'est pas le moment de lire. C'est pas le moment de lire. Micro-ondes. Oui. J'ai pas d'armes. Fais pas le con, j'ai pas d'armes. Est-ce que t'es encore l'enfoiré? Oh, il est là-bas. Ça ne s'ouvre pas. Alors peut-être qu'avec ça, ça va s'ouvrir, non? Non. Ok, il va nous falloir peut-être une clé. Ah. Oh. Ok. Il va falloir faire un truc avec ça. Ah bah voilà. Et bah voilà. Totalement au pif. Yes, corrosif, c'est bon ça. Il y en a pas un là, non? Ok, on y va. Comme quoi, le hasard fait bien les choses, hein, des fois. Hop, nope. Munitions. Mais j'ai pas d'armes, les mecs! Vous savez que ça ne sert à rien de me donner des munitions si je n'ai pas d'armes. Exit. Oh, corrosif. Ici. Vas-y, fais péter, dépêche Mia. Ah, c'est bon, parfait.
On a quoi? Une bombe collante et clé de l'armoire du capitaine. Ah yes! C'était là, je crois. Capitaine, voilà, c'est ça, capitaine. On a la clé du capitaine, du coup, allons dans la cabine. Ça se trouve ici, la clé, elle est là. Et on va pouvoir récupérer donc l'arme. Et oui! Eh hey, oui, les creuses! Yes! Bitch! Voilà! Ça va tout de suite mieux, hein. Allez, on va descendre au 1F. Et je pense qu'au 1F, il se passe des choses terribles ici. Regardez-moi déjà les murs, comment ils sont dégueulasses, là. Oh, on a un flingue et une sauvegarde. Je sais pas qui t'étais, toi, mais c'est sympa. C'est sympa de ta part de me donner un flingue. Aïe, 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 aïe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est là où on devait prendre le fusible. Ah, je me souviens. Là, il y avait un fusible. Ouais, ok. Ok. Vas-y, Mia, dépêche-toi, Mia. Il y a un monstre là. Il y a un monstre là. Ouais. Oh, un sac. Oh, yes. On a un petit sac. Des bombes, encore une fois. Alors, lui, on va le défoncer. C'est bon. Wouh. Oh, c'est quoi ça? Non, y'a un truc derrière moi! Non, y'a rien! Putain! Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de dévisser des trucs, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Oh, mais c'est le moment de se tirer! Oh, il est gros lui! Non! Putain de merde! Des bombes! Oh, merde! Oh oh! Vomito est là! Vomito est là! Mais quel con! Vomito! Ah, arrête de me vomir dessus, enfoiré! C'est bon, je l'ai eu. Oh! Alors, on a fait un truc avec ça. Câble électrique. Alors, on a chopé un câble électrique. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais bon. Ah, putain de fusible de merde. Putain de fusible de merde. Mais bon, 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 bon. On va s'en sortir. Ça fait environ 30 minutes. Sans vous mentir, les causes. 30 minutes. Que je suis en train de chercher ce putain de fusible. On y est. Oh, alléluia. Putain. Oh. Je pense qu'on doit clairement aller au sous-sol 2. Je crois que c'est le seul étage qu'on n'a pas exploré. Putain, c'est chaud les gars. Cette partie là. Il attend. Il attend quoi? Ok, fais gaffe. On y va. Quoi? Non! Oh! Oh! T'as vu ça, comment j'esquive moi? Hein? Go! 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 Non! 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 Non, 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 non. Oui, 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 oui. Crève. Oh non, vomito. Vomito, il y a un vomito. Je passe à côté. Je passe à côté, vomito, je suis désolé. Wow. Oh, oh, oh. Oh, oh. Allez, on va voir ce qui se cache là-dedans. Une pièce antique. Oh, c'est bon, ça. Je dis que c'est bon, mais on va finir le jeu. Je n'aurai même pas récupéré une seule amélioration avec les pièces antiques. Oh, là, Evie. Oui, dis-moi. Ah, Ethan est là. Putain, Ethan. Ethan. Oh, Ethan. Putain, je suis content de te voir, mon gars. Ah. Ethan. Je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite. Ni mon fils, Lucas. Zoé non plus, évidemment. Ok, y'a Zoé. What? Cette fille, Evelyne. C'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Oh.
l'épave d'un pétrolier dans le bayou. Tout s'explique. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie. Je comprends, padre. Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyn. Écoute, la petite veut juste avoir une famille à elle. Si elle la crée, tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ça marche, padre. Check! Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Ah putain, hé! Les mauvais du jeu deviennent nos potes, c'est incroyable. Donc le père a guéri. Et nous a parlé, mais du coup il nous a parlé quand? Je comprends pas là, il... Evelyn. Comment Evelyn il a pu communiquer avec nous? Pourquoi? Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... Ou quoi? On incarne Ethan là. Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? On est à l'intérieur du cocon. Est-ce qu'on peut l'exploser, ce putain de cocon? Ah voilà. Mia! Comment tu vas, ma poule? La poulette! Vas-y, sors-moi de là. Bien joué. Mia, comment? On n'a pas le temps. Tu dois sortir d'ici et la retrouver. Oh, il y a Evelyn derrière. Prends ça. Non! Je te sauve la vie. Tu dois y aller. Non. Je ne pourrai pas résister beaucoup plus longtemps. Non. 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 Maintenant, on va tuer cette petite garce. Non. 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 Oh putain. Ok, Mia est morte? Non, non. Elle n'est pas morte. Où tu te caches? Ok, donc l'objectif, les crocs, maintenant, ça va être de tuer cette putain de salope de Evie, alias Evelyn. Ou Evelyn alias Evie, c'est comme tu veux. Donc là, l'objectif principal, c'est de la défoncer. Elle est morte. Alors du coup, notre inventaire est totalement vide. Tout est ta faute. Bien sûr, mais oui, tout est ma faute. Bien sûr. Allez, on y va. On va la défoncer. Il est Tétan, petit navire. Meilleur jeu de mots de cette épopée, les crocs. Meilleur jeu de mots de ce let's play. Il est Tétan, petit navire. J'espère que vous aurez compris. Ça vole très haut, là. Alors, on se retrouve du coup... Alors, on sort du... Ah, j'entends un hélicoptère. Il y a un hélicoptère. On sort du... Du bateau. Il y a un putain d'hélicoptère, là. Et tous les poissons sont morts. Regardez-moi ça. Ok. On arrive dans une espèce d'usine. C'est ça, je pense. Vas-y, Ethan, saute. Tu peux pas sauter, là? Ah non, il y a une échelle là-bas, ok. D'accord. On va croiser les doigts pour qu'il y ait pas un truc sous l'eau, hein. Croisons les doigts. C'est bon. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe toujours. Ça passe toujours. Donc la photo d'un hélicoptère d'Umbrella Corporation. Un petit clin d'œil aux anciens Resident Evil. Ah, il y a un truc marqué derrière. Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? Alors l'hélicoptère, on l'a vu, hein, tout à l'heure. Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker. Aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Oui. Allez jeter un œil. Bien sûr.
On vous retrouvera à ses coordonnées. Oh, excellent. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. T'inquiète pas, je m'en charge. Et du coup, alors je pense que là, c'est carrément Umbrella. Oh, on a les... Oh putain, on a les améliorations. Oh, on va tout améliorer. Alors, on va prendre ça. Non, on va prendre le flingue. Ouais, quoique. Alors, on a 10 pièces antiques. C'est le moment de tout mettre. On va tout améliorer. Donc, on va se prendre de la vie. Yes. Stéroïde. Vas-y, on va se piquer avec ça. Donc, on aura un gros boost de vie. Ça, c'est cool. On va prendre ensuite... le flingue, est-ce que j'ai assez pour le flingue? Non. Ah, il m'en manque une, c'est con. Bah, on va prendre ça, du coup, on n'a pas le choix. Stabilisateur. Allez, mon petit Ethan, c'est pour ton bien. Voilà. Et donc, je tiens à préciser que Mia, juste avant de mourir, elle nous a donné donc l'échantillon de tissu d'Evelyn. Elle nous a donné ça juste avant de mourir. Enfin, si elle est morte, on ne sait pas. J'espère que non. On va sauvegarder. On va prendre... Oh, on a tout. Oh, putain, on a tout. C'est le moment de ce stuff, là. Wouhou. C'est parti, les creuses. Alors, je vais juste en profiter. Putain, on a 60 balles de flingue. C'est totalement abusé. On a 36 cartouches de fusil à pompe. Totalement incroyable. Que dis-je, 82 balles de flingue. Mais c'est totalement ouf. Oh, putain. Ok, on va essayer de les esquiver. On va essayer de les esquiver. Aïe. Ok, on a ouvert l'ascenseur. Le mec esquive les ennemis alors qu'il a plus de 100 balles sur lui. C'est totalement... Oui, je suis un radin. Oui, je suis un radin. Oui, je suis un radin. Alors, let's go. Il y a une ouverture là. Non, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. On va devoir les buter. Attends, est-ce qu'on va devoir les buter là? Est-ce que j'utilise mon lance-grenade? Ouais, on va utiliser le lance-grenade, tiens. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Voilà. C'est tout ce qu'on récolte. Bande d'enfoirés. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez, Ethan. Ouh, c'est bon. Bye bye, motherfucker. Bon, du coup, ça ne sert plus à rien. On va le remplacer par le lance-flamme. Alors, on va où, là? Putain, on descend. Et on va dans la mine. Attends, on va dans la mine. Ah oui, c'est ça. C'est ça. On est dans la mine. Ah, c'est bon. Et ça me rappelle la fin d'Outlast. Il y a un petit côté Outlast, là. Enfoiré, va. Allez, là on est pas mal. Oh là, attention ici. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Bien sûr que oui. Bien évidemment. J'entends un bruit chelou là. Oh là. Ah bah, je crois qu'il s'est suicidé, ce con. Ah non, c'est des méchants. D'accord, c'est des méchants. On va les laisser venir ici. Ils vont se faire exploser comme des cons. Énorme. Énorme bande de boulets. Bande de boulets. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fout dans une mine? Et en plus, t'as Umbrella qui a nos trousses, là. T'as les soldats d'Umbrella qui sont en train de nous chercher. C'est totalement ouf. Ah, putain, on peut... Oh, c'est énorme. On peut pousser ça. Vas-y. Allez, Tan, défonce-les. Wouh. Yes. Let's go. Coucou, toi. Oh, coucou, vous deux. Oh, putain. Par là. Je dirais par là. Je sais pas, c'est un labyrinthe, je ne sais pas. Je ne sais pas trop où je vais, on va essayer de monter ici. Bien joué, Toshi. Bravo. Non, je l'avais pas vu. Non, là, honnêtement, je l'avais pas vu. Que. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits, que je suis redevenu normal, et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement, elle a l'apparence d'une gamine, mais elle a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille... C'est un truc que vous avez programmé, c'est un peu à chier. Alors, soit c'est Zoé, soit c'est le fils qui écrit ça. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Là où on a été la chercher au début du jeu. Je pensais qu'Evelyn se mettait en run vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman, ok, donc ça on le sait. Votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Ok, donc... Evie
vieillie à vitesse grand V, what the fuck. J'ai pas remarqué ça, qu'elle avait les cheveux gris et des rides. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça là encore? Cible repérée, c'est ça qu'il a dit? Attends, c'est quoi? Oh! C'est le vie... Hein? Je dois mettre quoi là? Détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme. J'ai pas ça. Attends, est-ce que... Oh, c'est ça? Oh, c'est les tissus d'Evelyn. Oh putain, c'est les tissus d'Evelyn, on va les... on va le détruire. Oh, on a le remède pour Evelyn. Ah, on a le remède, on a juste à la piquer avec ça et tout rentrera dans l'ordre. Happy End, Resident Evil 7, tout le monde s'en sort vivant. Ok. On continue donc à descendre dans les mines, on y est toujours. Hein. On continue à descendre là-dedans, bordel. Oh. J'entends Evelyn. J'entends Evelyn, elle est en train de chanter. What the fuck? Super l'ambiance. Oh non, 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 non. Hop. Putain. Oh, ça passe. Il y a même pas besoin de tuer les monstres dans ce jeu. C'est juste incroyable. Wow. Wow, 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 wow. Oh merde, là ça va être chaud par contre. Ça va être chaud. Ça passe toujours. Ça passe toujours. On est trop chanceux. Nous sommes carrément trop chanceux là. Aïe. Bon toi je vais te buter par contre. Parce que tu m'as touché, espèce d'enfoiré, voilà. Ok. Ok. On continue. Ok. Ok, 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 merde. Oh là 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 là. Dégage. Enculé. On se soigne. On se soigne, on se soigne, on se soigne. Putain. Bon, ça a passé à moitié, hein. Ma technique marche à moitié. Oh. Bordel. C'est quoi ça? Oh, nope. Oh, nope. Oh nope. Oh nope. Allez, allez, éteins, allez, éteins, allez, éteins, allez, éteins. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non. 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 Enfoiré. Ok, alors eux, ils sont morts. Désolé, les gars. Désolé, les gars. Mais là, on m'a fait chier. Merde. Mais c'est quoi ça? Mais non. Bitch. Oh putain. T'es mort? Ah, t'es pas mort, hein? T'es mort? Pourquoi tu ne meurs pas? T'es mort. Deuxième. Putain, il est gros, lui. Ah, lui, il est gros. C'est quoi ce... On l'a eu? T'es mort, ma poule? Ouais, il est mort. C'est bon. Wouh! Putain, on était pas loin de monter l'échelle, hein, c'est con, j'ai vraiment pas eu de chance. En même temps, je sais pas si on pouvait la monter sans tuer les deux vomitos, là. Bon, on les a tués sans trop de difficultés. On continue. Ah. Oh, oh, la mamie. La mamie. Mais la mamie. Mais c'est vrai, la mamie, elle est où? Une poupée. Regardez, c'est son fauteuil roulant. Elle est plus là. Mais putain, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vue depuis longtemps, elle. Wow, 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 wow. Non. Elle est plus là, elle est plus là, elle a disparu. Oh, reviens ici. Oh, reviens ici, putain. Et du coup, la porte a réapparu. Ah, c'est ça. Attends, on va peut-être voir la mamie, les creuses. On va peut-être voir la mamie. Alors du coup, on revient complètement dans la ferme, là. Là, on est back dans la ferme des Baker. Hein. Regardez, avec le téléphone. Ouais, 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 ouais. Oh, excellent. On s'en souvient de ça, les creuses, hein. On s'en souvient. Tout est de ta faute. On
s'en souvient très bien. Oh putain. Non, elle va me couper la main là. Je sais que tu ne voulais pas blesser. Tue-le, maman. D'accord. J'aurais pas dû faire ça. D'accord. Ça fait putain de mal. Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Espèce de conne. Hypocrite. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. C'est totalement dingue. C'est totalement dingue. On va essayer d'aller à l'entrée. Elle est là. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Dans tes rêves. Je ne joue pas. Non ! Éloigne-toi de moi ! Oh ! Oh ! Oh ! What ? What ? What ? What ? Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que tu fous la poupée ? Mais... Elle a disparu. Ok, super, je viens de niquer des munitions de... De lance-flammes pour rien. Oh là... Ah, putain, non ! Oh, elle m'a fait peur, cette conne, putain. Oh, il vit. Tiens, saloperie ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah ! Bah ! Oh. Oh. Merde ! Comment je vais faire ? Attends. Ok, avec espace on peut se protéger. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Pique ! Pique ! Pique ! Pique ! Pique ! Oh non, non. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste ? What ? Non, c'était pas elle, Evelyne. Tu déconnes, c'était pas elle, Evelyne. Non ! C'était elle, Evelyne ! Incroyable, je suis sous le choc. Oh putain. Oh putain. Allez, crève. Putain, je crève pas. Crève! Putain! Mais! Ah. Y'a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Wow. Ok, on va essayer de la niquer au fusil à pompe. Aïe. Ah putain, salope. Recharge. Ah putain. J'ai même pas le temps de recharger, putain de merde. Non. Non. Hop, hop. Me bouffe pas. Non, me bouffe pas. Je peux pas recharger. Oh. Ouh. Aïe. Oh. Ça. Vas-y.
Oh. Eh bien, dis donc, les creuses. C'était juste hallucinant. J'imagine que c'est la fin du jeu. On se fait escorter. Par Umbrella Corporation. C'est ça, hein. C'est des mecs d'Umbrella, ça. Que qu'est-ce qu'il y a à me faire? Mon nom est Redfield. Hein? Content de vous avoir trouvé. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? Redfield? Chris? Chris Redfield? Est-ce que c'est toi? Et voilà la ferme, vue de haut. On en aura vécu des aventures dans cette ferme, les creuses. Oh oui! Putain, Mia est en vie. Mia est en vie. Tu es vivante. Yes! On a réussi. Oh! Happy end? Oh, ça sent l'happy end. Oh! On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyne, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyne n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro. Qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. C'est pas fini. Il se passe un truc. Générique. Oh, cette musique, je la kiffe en plus. C'est fini, les creuses. C'est fini, on vient de finir Resident Evil 7. Que dire? Putain, c'est absolument excellent. J'ai même applaudi à la fin. Je me sentais obligé d'applaudir. Donc, on part sur un happy end. Mia a survécu, Ethan a survécu. On a tué le boss, on se fait récupérer par Umbrella, on se fait escorter, on recommence une nouvelle vie, on tire un trait là-dessus. C'était juste parfait. C'était la fin que je voulais. Alors du coup, on ne sait pas ce que le père Baker et Zoé deviennent. On ne sait pas. Parce qu'on voit Zoé et le père Baker à un moment nous parler, je ne sais pas. On n'a pas de réponse là-dessus, c'est assez dommage, mais bon. Dans l'ensemble, c'était un très bon jeu, une très bonne aventure que j'ai partagée avec vous, les creuses. J'espère que ça vous aura plu. Ce let's play, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si bah cette aventure vous a plu du début à la fin, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ce jeu avec vous. J'ai vécu une putain d'expérience, c'était excellent. Sur ce écran, je vous donne rendez-vous pour un prochain let's play très bientôt. On se laisse là. Encore une fois, très bon jeu, bravo Capcom. Portez-vous bien les crocs, c'était Toshikro, à très bientôt. Ciao.